Et salut tout le monde, c'est Jean Bloqué, on se retrouve pour ce 30e épisode, oui déjà 30 épisodes, de la série Multi Jimbo World. On est sur le serveur Jimbo World, hein. Ça fait un petit moment que j'étais pas revenu ici, hein. Du moins en vidéo. Et j'avais envie de... Bah ça c'est la... Vous voyez que c'est la miniature de la vidéo, le petit mouton qui fait du bateau. Donc aujourd'hui, bah je vous avais dit lundi dans la vidéo... J'ai un peu teasé ce que j'allais faire là, dans les précédentes vidéos sur la chaîne. Ça fait un moment que je tease des trucs. Comme vous le savez, j'ai toujours le projet d'aller dans mon propre biome, faire ma propre base et tout ça. Le souci, c'est que ça va demander énormément de temps. Énormément de temps dans le principe du fait que va falloir que je voie comment je vais faire ça, de quelle façon, comment je vais m'y prendre pour vous le proposer en vidéo. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, il va faire déjà nuit. Et la chose à savoir, oh oui j'ai un stack de poulets, j'aime bien tuer des poulets, ça me détend. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement... En ce moment, je n'ai très peu... Ouais, j'avais jamais remarqué ça. Regardez. Sur le côté, ça fait une T... À moins que ça soit le Faceful qui a ce défaut-là. On va tester ça tout de suite. Alors, on enlève. On fait terminer. Eh non, c'est... Regardez. Vous voyez? La porte fait une jointure qui ne mérite même pas. Par contre, ça fait chelou, là. Redécouvrez Minecraft en 16 bits. En 16 pixels par 16 pixels. Ouais. C'est pas très clair. C'est celui-là. Ouais, j'ai tellement de... Le Faceful sur moi. Du moins, justement, j'ai les versions que j'ai faites. Par contre... Donc, j'ai teasé aussi en début de semaine, dans la vidéo qui a remplacé un épisode du Jimbo World, parce que j'aime bien que ça soit impair et pair, ça veut dire 29 le lundi, 30 le jeudi, vous voyez. Donc, je l'ai un peu recalibré comme ça, et surtout, je vous ai teasé le fait que je réfléchis, oui, on a fait une gare. Avec un chemin pour aller chez les taux, c'est beaucoup plus rapide par le Nether, mais c'est qu'à l'époque il avait pas de portail vers le Nether et qu'il arrêtait pour revenir au spawn, il arrêtait pas de revenir depuis la mine où il a fait un passage, où il est parti chercher directement depuis là-bas. Et donc moi j'ai une âme charitable, on a fait ça, mais ça s'avère aussi fastidieux tout ça. On l'a fait parce que voilà, tout simplement, on n'est pas abandonné un projet qu'on avait commencé, dire ah bah Osef, il a fait son portail vers le Nether, donc maintenant on peut pas, je passe, j'étais chez lui juste avant d'enregistrer la vidéo, donc je suis revenu vite fait ici, donc comme vous le savez. J'en ai parlé, j'ai envie de faire vraiment un hub. Vous voyez, c'est plus beau avec ces textures-là. Là, c'est plus fin, il y a moins de détails dégueux, là. Vous savez, je veux faire un hub dans le Nether, j'en ai parlé. Donc là, on va prendre vite fait les coordonnées. Non. Donc c'est... Ça va être 180 sur... 100... Attendez, 180... 181 même. On va dire 180-241. Ouais, la hauteur, on s'en branle un peu. Alors, c'est moins 180. Et là, faut que je raille tout ça parce que... En fait, pourquoi je...
Ah oui, ça c'était survivant de Minecraft. Alors, moins 180 et 241. Ouais, je prends des notes. J'aime bien prendre des notes, ça me détend. Donc oui, ce portail, il va falloir le faire. Mais je vais le faire à proximité. Le hub, je vais faire à proximité du toit. Oui, c'est pas original, parce que plein d'autres serveurs comme ça, comme le nôtre le font. Donc c'est aucunement original. Falloir vraiment finir ça. Dira, comment voulez-vous accueillir des gens sur le serveur? Parce que oui, on peut toujours vous accueillir. On a bien accueilli Battle Halo. Donc, ça veut dire que c'est pas fermé, hein. Mais le but, c'est pas essayer de rattraper les tours au niveau des morts, hein, vous inquiétez pas. Si vous le rattrapez pas, c'est pas grave. C'est que... Là, c'est... Il faut que j'aille à proximité du toit du Nether, ce qui est vers les 128, un truc comme ça. 127, 128, un truc... Et parce que proximité, c'est là où il y a le plus de blocs, on va dire. C'est vraiment là où il y a le plus de blocs et là-bas où tu peux vraiment en faire un truc. Mais il va falloir que je monte, donc... Il me faut du bois. Vous savez quoi? Je sais qu'il... Mais putain, mais ma barre de bouffe, elle descend hyper vite. Voilà. Donc je vais prendre des échelles. Parce que pour monter sur le toit, il va falloir que je voie où monter là. Parce que ouais, je vais faire les portails, je vais essayer de les linker, tout ça. On va faire un hub en hauteur, ça va être plus facile pour rejoindre tout le monde. Comme ça, on pourra même aller chez Battle Halo quand il aura un portail au bon endroit, parce qu'il a fait un portail sur une île déserte qui est loin de son île à lui. Donc, on va. Pourquoi je suis parti en bas? Je suis venu, c'est pour récupérer du bois qui est juste là. Oui, ça c'est en fait, ça c'est Battle Halo qui avait une forêt de bouleaux carrément sur toute son île, et il l'a rasé pour la personnaliser soi-même. Et il fait du terraforming. Un jour, quand ce sera vraiment très avancé, je vous montrerai en vidéo. Je vous ferai un petit world tour en fait de toutes les bases qui sera disponible sur le serveur, dont la mienne, qui va commencer bientôt. Faut juste que je finisse le boulot que j'ai en ce moment sur ma chaîne principale là. Je suis en train de mettre à jour les titres toutes vidéos comme j'ai fait sur cette chaîne. Vous voyez, vous avez le titre de l'épisode avant la série à laquelle il relie. Il faut que je fasse ça sur la chaîne et tout ça. Là, je suis en procédure, j'ai presque fini de faire tous les titrages, il n'y aura plus qu'à les appliquer sur toutes les vidéos, c'est-à-dire du copier-coller quoi. Non, mais ils sont déjà tous faits et personnalisés pour chaque vidéo. Il n'y a pas non je fais un copier-coller tout bête. Mais c'est pas le sujet. Donc il faut que je fasse des échelles. Donc on va faire ça. Hop. Ok. J'en bloque le talentueux. Voilà. Toute façon, les échelles, ça sert toujours. Donc. Hop. 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 Le mec qui est en train de faire des échelles. J'ai appris à faire des échelles, donc je suis content. Ça me détend. Hop, voilà. Il y en a largement assez pour monter sur le toit du Nether. On va aller justement... Ouais, pour monter sur le toit du Nether. Presque. Comme ça, s'il y en a un qui veut s'amuser à faire une farm à XP... Pas une... Ouais, c'est un peu une farm à XP, la farm à gold. Et il pourra. Après, il n'y aura plus qu'à. Il est où ce con? Bon, ben, je vais pas tenter.
Waouh! Il est fou lui! Il vient comme ça! Ils se rendent même pas compte que je suis pas là. Donc je l'ai eu lui. Il va falloir que je monte tout en haut. Donc ouais, et je vais monter à genre 100 blocs, je crois que 100 blocs c'est largement suffisant. Je me suis pas renseigné sur le sujet, hein. Veuillez m'en excuser, j'ai pas vraiment tout. Je sais à peu près d'expérience des autres vidéos. Donc il va falloir que je fasse en haut, que je fasse un portail. Attendez. Je suis complètement con. Je veux monter en haut, mais après... J'ai pas fait le truc pour le portail. J'ai de l'obsidienne en fait. Bah si j'ai pas de l'obsidienne, c'est pas grave. On fera ça. Attendez, il y a un coffre là-bas. Putain, mais le serveur, il fait tout le temps nuit, quoi. Non, il a pas mis d'obsidienne ici. L'obsidienne dans les coffres là, il doit en avoir peut-être un chouïa. 3 obsidiennes. Ouais, je vais aller super loin, les gars. Bon, bah, on va faire 100. Là, c'est juste préparatif et peut-être... normalement, j'aurais dû le faire sur cet épisode-là, mais... non, il me faut de l'obsidienne. C'est vital, quoi. Vous savez quoi? Je vais faire ça, hein. Malheureusement. Ça faisait un beau lieu, mais ça c'est dégueulasse, en fait. Est-ce que si je fais ça... Eh oui, c'est vrai que j'ai une efficacité. Une efficacité trop efficace. Je vais aller me coucher parce que je voudrais éviter. On va tout retirer l'obsidienne. Ça va servir peut-être pour faire des portails à linker et tout ça. Oui. En mangeant, j'arrive à ouvrir une porte. Ça, n'importe qui peut le faire. Ouais, c'est vrai que j'affiche tout le temps ça. Tout le temps, le truc pour quand le F3. Putain, mais des fois j'arrive pas à réfléchir, mais c'est dingue. Hop, voilà. Oh oui, on sait jamais, hein. Vous voyez comment c'est hyper rapide avec une efficacité 5. C'est ça, efficacité 5, hein. Ouais. Mais... hop, on va y arriver tranquille. Ouais, bah oui, je suis un mec qui veut démonter tout l'obsidienne qui traîne. Ouais, c'est largement plus rapide. Franchement... on va le dire. L'efficacité 5, c'est la vie, quoi. Vous voyez. Il y a des trucs... franchement, en UHC, vous savez, tout ce qui est UHC, là, PVP. Franchement, c'est la plaie de miner de l'obsidienne, comme ça, pour essayer de faire une table d'enchant. Parce que le truc c'est... voilà, ça prend tellement de temps. Moi bon, je suis un peu en train de niquer cette pioche là. Mais on va dire que c'est pas grave, hein. En fait j'ai assez, oui, bah oui j'ai 24. En fait je vais essayer de faire le portail. Mais bon, là, faut que je divise tout par 8, là. Toutes les coordonnées que j'ai eues, là, faut que je les divise par 8. Mais avant tout, faut que je sache par où monter.
Voilà. C'est le plus important à savoir. Après, je fais la division par 8 pour positionner le portail correctement. J'ai cru que ils étaient mal là, donc j'ai une coupure dans ce que je disais. Parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont hyper cons. La fois, je suis allé chez Battle Halo. Et voilà, vous voyez par où je suis revenu. En allant de chez lui. Bon, c'est pas de la ligne droite, c'est du zigzag et tout à la con. Mais vous voyez, je suis revenu par ici. On reconnaît un certain style dans les mini-ponts du Jean Bloch, hein. Oh! J'ai tué un de tes copains tout à l'heure. Ah ouais, bah il est tout là-haut. Donc on va essayer de monter en haut parce que nous on est hyper bas. Hein. Tiens, j'ai positionné sur le filtre anti-pop. Alors, F3, nous on est hyper bas, on est à 42. Je sais que l'étau est haut ou bas, je sais plus. Par rapport à cette hauteur-là. Mais il était pas sur le même plan, il a dû faire un système pour monter ou descendre. Je pense que je vais passer par là. Pour monter. Pour aller sur le toit du Nether. Pas sur le toit, pour me rapprocher du toit du Nether. Mais non, attends, faut que je vérifie, faut que ça soit un truc qui m'envoie vraiment en haut. Et je ferai un... Et après... Ouais, je devrais prendre de la pierre. Je suis en train de faire des... On s'en fout. Non, on s'en fout pas. Parce que je vais avoir besoin. Il va falloir faire un truc qui est pour permettre les allers-retours. Là, pour moi, monter, c'est... On s'en fout. C'est pas le souci. Tu vois? L'XP est là. Tu vas pas me dire que c'est l'XP du ghast de tout à l'heure? Bien sneaké, hein, apparemment, oui. S'il y a l'alarme de ghast, je descends. YOLO, je m'en fous. Apparemment, il y est pas. Il y est ou il y est pas? Non, il y est pas. C'est de l'XP, on va pas plancher, en plus, il y a la machine à l'étoile. Donc, ouais, faut que j'aille chercher pas mal de pierres. Je vais faire une descente un peu en échelle. Je pourrais faire ça avec des minecarts, mais pour l'instant l'échelle, on va dire. Ouah, mais. Ouais, je sais que le poulet doit pas avoir une énorme saturation, mais quand même là. Pierre, il y en a là. Je m'en fous un peu. C'est vrai qu'il y a la pierre taillée, peut-être. J'ai combien de stacks? Ah, j'ai pris... J'en ai pas assez. Je vais aller en chercher là. Là-bas, il doit en avoir avec tout ce qu'on a creusé en tunnel. Il doit avoir que ça. C'est pour descendre à côté du portail, en fait. Non, c'est pas là. Ah, regardez, tout ce qu'on a récolté en fait, en minant. C'est abusé pour le truc, on a récolté tellement de ressources. Hop, hop. On va prendre tout. J'ai un briquet. Oui, si je dois activer un portail. Je ferai peut-être pas tout en épisode. Si je mets comme ça ou comme ça marche dans les deux sens. Ça, c'est génial. On va essayer de monter en haut ensemble. Et peut-être que je le ferai en live. Oui, là, y en a qui vont me dire, mais oui, mais tu dis ça à chaque fois. Ça fait 3 mois que tu nous parles de live et ça fait 3 mois qu'on voit toujours pas le bout d'un live. Peut-être je vais le faire. Oui, vous inquiétez pas. Par contre, je sais pas sur quelle plateforme le faire, si je le fais sur YouTube ou sur Twitch. Donc, vous me le direz dans les commentaires. Sur quelle plateforme ça vous intéresse. Twitch ou YouTube. YouTube, c'est l'avantage que vous allez le pouvoir plus facilement.
Twitch que je peux avoir, c'est que je peux avoir aussi la visibilité plus facile pour tout le monde. Mais il y a des restrictions, tout ça, je pourrais pas forcément proposer une qualité visuelle digne de ce nom. Donc on va voir. Je vais essayer de monter le plus haut possible. Donc on va faire de l'escalade. Ce qu'on appelle de l'escalade, hein, bien sûr. Alors ça, je sais plus. On était passé par là, mais je sais plus pourquoi. Le mec, il va se perdre dans le Nether. Il est derrière. Voilà. On a déjà fait un pas. Par là. Toujours de l'XP. Rien que de l'XP. Dit, je le jure. On va voir si justement il y avait que de l'XP. Et la flèche. Et on est monté déjà hyper haut. Ah bah il est là. C'est vrai que j'ai passé. Il est où le reste de l'XP là? Ouais, c'est en fait c'est Optifine, le zoom d'Optifine. J'ai quoi? Ah bah l'alarme de gaz. Vous voyez, c'est en fait c'est à cause de ça, c'est que tous les plans de lave et là-haut. Il n'y a pas de plan de lave, donc on évite la lave. Et c'est plutôt cool. Bon. Ah oui. Efficacité 5. Bonjour, dans le Nether, c'est la merde. Hop, on va grimper. Ah. Je sais pas comment je vais l'appeler cet épisode. Faut que je grimpe. Après, faut que j'aille aux coordonnées pour faire un nouveau portail. Portail qui sera pas. Dans... Je sais pas s'il sera dans l'ordre ou pas. Alors, bien sûr, on va mettre des petites torches parce que c'est un peu sombre. J'ai pas une pioche normale, non. Bah non. J'ai une épée en fer, je me demande pourquoi. Par contre, l'abruti de service que je suis, oui, je sais. Je fais des allers-retours depuis 3 heures. Et ça doit saouler tout le monde. Mais c'est surtout que je viens de me rendre compte que j'ai du stuff important. Vous voyez, j'ai mes deux épées, j'ai la pioche touchée de soie, je voudrais pas les perdre, quoi. C'est vrai que la fortune 3 là que j'ai là, c'est vrai que de la perdre ce serait chiant. Mais quitte à choisir, je préfère encore la perdre, elle, je peux encore me débrouiller pour la refaire. Même si le souci, c'est que c'est la seule qui a raccommodage. Donc, il se passe pas grand-chose dans cet épisode, je le reconnais. Mais bon, vous savez, c'est un peu la reprise pour moi. Là, je reprends les activités YouTube par rapport à avant. Tiens, bah, il fait nuit. Et il pleut. Vous imaginez le combo ici? Bon, je fasse attention ici. Des fois, il y a des trucs qui spawnent, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai éclairé à peu près tout pour éviter justement le spawn. Alors, j'ai tellement de merde dans mon coffre que voilà, je sais plus comment faire. Alors, ça. Et ça, et ça. Ok, ça. Les cannes à pêche, là. Je sais pas pourquoi je les ai.
Donc je garde juste ça. Vous voyez, parce que je veux pas... Putain, mais la bouffe, elle descend tellement rapidement. Désolé, monsieur. On va se coucher. Ouais, la capture, ouais, c'est la capture de l'épisode. Je vais mettre le lapis là-dedans. Voilà, hop, 64. Oh, la larme de Ghast, elle est où là-dedans, dans celui-là? Voilà, deux larmes de Ghast. Pour faire des régénérations ultimes si on doit se fighter contre un méchant pas beau. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a des phases que j'aurais pu couper, mais bon, là on est tranquille et tout. Je sais pas combien de temps on va prendre cet épisode là, vous le savez par contre. Parce que vous avez déjà l'épisode uploadé et tout ça. Vous êtes en train de le regarder, en ce moment même. Et moi je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter. Je vais essayer de pas trop durer 3 ans. Pour justement éviter... d'être trop long, parce qu'après ça fait beaucoup de rendu pour la vidéo, et après ça fait de l'upload, donc je vais éviter au maximum de faire un truc trop long, puis en plus je peux le concéder que ça peut blaser quoi à force. D'accord. Voilà. Je sais pas où il est, celui-là qui est en train de chouiner encore. Mais j'ai pas envie de le savoir en fait. Voilà. Là c'est juste la montée, hein. C'est pour... Je ferai la descente là avec les... Peut-être que je ferai la suite en live en fait. On va voir hein, quel niveau c'est en plus. J'essaye de faire un truc pas trop. On va réparer la pioche, tiens. Voilà. Le raccommodage chez la vie. Voilà. Ouais, bah parce que j'en ai, donc je profite. Hein. J'ai eu un petit truc, là, j'ai fait une descente, j'ai dit... Oh, putain. Donc là, on est en étage. Hein. Ma montée, elle est où? Ok. Elle est là. On va continuer par là. On est à quoi? En 105, hein. Et vous voyez, c'est pas plein encore. Je vais essayer de monter le plus haut possible. Et on va essayer de faire les coordonnées dans cet épisode-là. Voilà, l'objectif sera officiellement atteint quand on aura posé le portail pour le linker avec le portail dans l'Overworld. Donc je sais pas, peut-être qu'on va monter à la surface 120, là, un truc comme ça. Déjà je veux monter au maximum... Ah bah là. Vous voyez ? Vous voyez ? On est à 120. 24. Vous voyez ? On est vraiment à la limite. Donc, il faudra faire un plafond. Parce que là, on est à 120. Vous voyez, le plafond sera là.
On va faire 115, non? Non, attendez. Ça, en hauteur, je sais pas, Eyes. Si vous marquez où, Eyes, là-dedans? Looking. Voilà. 123, c'est. Donc, on va faire du. On va faire du 115. C'est l'heure du calcul mental. Non, je déconne. C'est l'heure de sortir la calculette magique. Hashtag le téléphone. Ah là là. Ok. J'avais laissé une application qui tournait. Qui tournait, c'est un jeu sur mobile. Et donc forcément. Ça m'a pété les burnes. Donc, 180 divisé par 8 égale 22. Vingt deux virgule cinq même. Donc c'est moins 22. Et on prend la dernière qui est 241. Tu le divises par 8, ça fait 30. Donc on va aller en moins 22, 30. Donc c'est par là, hein. Ouais. On va y aller par là. Eh, mais je suis déjà en 30. Eh, vous voyez, le génie. Le génie, les gars. Ça, c'est du génie. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous dis en hauteur, c'est bien. Parce que le plafond y est, quoi. Voilà. Et en plus, normalement, si mes calculs sont bons, ce sera le portail vers l'overworld. L'overworld. Putain. L'overworld, ça me fait penser, je sais pas à quoi. C'est peut-être un album de groupe de musique. Je sais pas. Faut que je sais que dans le Nether ça change rien, mais bon. Bon, bien sûr, on fera cet endroit en dalle et en escalier pour éviter qu'il y ait des spawns intempestifs on va dire, de ghast, par exemple. Donc, ce qui est cool, c'est que je vais avoir mon. Vous voyez, j'ai fait une tranchée depuis tout à l'heure, pas un seul trou, pas de lave, rien. Et là, c'est au moment où je vais dire ça, je vais tomber dans un putain de trou de merde. Donc, j'essaie d'éclairer au mieux pour pas que, pour vous, ça soit trop sombre. On arrive bientôt au 22, hein. Et je dis, non, c'est 30 en positif. Ouais, ben comme ça je répare justement ma pioche. Voilà. Eh? On avait dit quoi? Vous rendez compte là? Que je suis carrément au limite au plafond? Ouais, on va boucher ça aussi. Donc, je suis vraiment limite, limite, hein. Alors, j'avais dit quoi? 22. Bon, voilà. 22, c'est ici.
Et il faut aller en 30 positif, hein. Donc j'épargne les le quartz jusqu'à nouvel ordre. Voilà, on va mettre une petite torche. Et on verra avec le tout. Peut-être on fera ça en live et tout. Faut que j'arrive à me faire. Faut que je me dégage aussi un peu de détente quand même. Parce que là, j'enregistre, je vais faire le montage de la vidéo. Le montage de la vidéo pour le Jean-Bloc Games, là, qui est un épisode. Merde, je suis allé trop loin. Ah non, je suis presque allé loin. C'est ici, hein. Je vais essayer d'aller au max sur le toit. En fait, je vais faire au max la découverte du plafond. Pour justement montrer où est le plafond. Le plafond du Nether. Vous voyez? Et on va faire du. Bon, peut-être qu'on le rehaussera. Je verrai. Il faut que je fasse, on va dire, un plafond en dalle ici. Vous voyez? Genre, il y a un plafond en dalle. Et il faut que ça fasse au moins 3, 4 de hauteur. Voire 5. 5 de hauteur. Allez. On va compter 5. Donc. 2. 3. 4. Et 5. Donc on monte ici. Ouais, faut que je laisse ma sortie, hein. Voilà. Hop. On va dire 5 de hauteur. Qui s'arrête ici, donc notre. C'est pas 4. C'est 4 de hauteur, ça. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà. Donc, est-ce que le 5 de hauteur se met là? Ouais. Non, le 5 de hauteur se met là. Voilà. Ici. On va le mettre comme ça. J'essaye de casser doucement pour éviter toutes les conneries. En fait, je dis 5 de hauteur, ça va être un plafond en dalle et un sol en dalle, donc ouais. Alors, on avait dit moins 22. Donc le moins 22 est ici. Après, c'est le problème, c'est l'orientation. C'est que je sais pas l'orientation exacte du portail, donc. Et on avait dit 30. Donc on est en moins 22, 30. On va monter comme ça. Voilà. Et le 30, il est là. Donc, c'est ici que je vais creuser. Pour essayer de remonter. Donc, on va faire comme ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, 30, il est là.
Donc on va dégager un peu la zone pour justement... pour montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc pour l'instant on laisse comme ça, on va faire un portail. Ça je n'ai pas besoin. Donc mon portail on avait dit... Tout... Donc on a dit 30 en positif et 22. Voilà, donc j'ai mon 22. Et voilà, normalement le portail devrait être comme ça. Je vais faire un portail un peu... C'est quoi? C'est du combien? C'est du 3 là. Comme ça? Non. C'est du 4 hein, que j'ai fait là-bas. Au pire, j'en agrandirai au cas où. Il est un peu trop grand, non? Attendez. Ça va faire combien de hauteur? 1, 2, 3. Ouais, vas-y. On va faire comme ça. Hein. Hop, hop. Ah! Foutue torche de merde. Et en fait... On va l'ouvrir, hein. Voilà. Il est pas très... Attendez, il est pas très carré, hein. Alors on va le casser. J'ai l'impression qu'il était pas... Qu'il était pas totalement carré. Voilà. Hop. Hop. Ouais, bah ça va être du temporaire. On verra si je dois rebaisser et tout ça. Mais normalement, si je repasse par là... Je m'entoure au pire. Voilà. Mais ce qui est intéressant... Oh bah tiens. C'est qu'on va faire ça, regardez. Pour essayer de le choper lui, on va faire comme ça. Vous voyez? Ah putain, merde. On va essayer de monter au plus haut. Mais putain. Descends là. Voilà. On va faire ça, regardez. Parce qu'en fait, les portails, ils ont... Non, non. Voilà. Normalement, je devrais retomber dessus. What? Ok. J'ai même pris des dégâts, pour vous dire. Donc...
En fait, il faudrait désactiver celui-là. Mais c'est la merde, je... Mais il me fait spawn là! What the f... En fait, là, en plus, les coordonnées de ce portail, c'est même pas les bonnes, quoi. Donc, ouais. J'ai aussi vu des Enderman. Qui étaient posés vers là, le petit pont qu'il a fait l'étau. Donc notre portail est fait. Depuis là-bas on peut aller. Et sauf que pour l'autre côté, faudrait que je teste en fait. On va tester. Dernier essai. Bon, si c'est pas concluant, c'est pas grave. On va casser un bloc juste là. Oh mon dieu, il a cassé le portail! Donc ça veut dire que ce portail est désactivé jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à temps que je le réactive quoi, en espérant qu'il va pas se linker ailleurs sur le l'overworld. C'est pas facile à dire, hein. Mais bon, on va essayer de remonter tranquillement. De toute façon, je verrai. Mais regarde pas comme ça, j'ai toujours peur que t'aies envie de me fighter la gueule. Ouais, j'allais vous faire foutre. Vous avez déjà vu un mec dans le Nether ou quoi? Eh, épisode de retour, épisode long, hein. Allez, on va voir. Ouais, je sais, tout le chemin que j'ai parcouru. Putain, j'ai... Ouais, j'ai pété un câble, j'ai... Il y en a un là? Non. Ok. Non. Je suis con. On va condamner ça... comme ça. Voilà. Donc maintenant que je... ça veut dire que je vais spawn et c'est pas évident, hein. Mais bon là on va tester. Le portail est déjà fait. Je réactiverai le portail en bas une fois que le test sera fini. C'est juste pour voir si ça marche. C'est là. Ça manque de lumière ici. Avec les musiques flippantes du Nether. Bah, je le descendrai peut-être d'un cran, le portail. Mais pas trop non plus. Et maintenant, si je me... Attendez, il fait combien là? 4 par 4, hein. Ok. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est un 3 par 3, hein. Ouais, je le baisserai de 2 crans. Bon, bah voilà, au moins, j'ai fait les prémices du hub, hein. On se retrouvera pour un prochain épisode de Jimbo World ou toute autre vidéo sur cette chaîne, ou que ce soit sur mes autres chaînes qui sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des likes et surtout des commentaires de votre part. On se donne rendez-vous lundi, si tout va bien, pour un nouvel épisode de Jimbo World. Ciao, bye bye.